Salut les potes, c'est Dante, on se retrouve pour une petite vidéo invocation. Alors on va faire une invocation, donc c'est le portail pour essayer d'avoir la Diane combattante verte. Donc au niveau du portail, ce qui m'intéresserait moi aussi c'est le Meliodas vert. On va avoir un petit kin vert, ça me dit aussi. Et surtout, voilà, c'est de là aussi que j'ai pas. Après, avoir un Escanor, ça me botterait bien aussi, tout simplement qu'il est SP2 le mien actuellement. Et bien sûr, bah, avoir la Diane verte que j'ai pas dans ma box. On fera également aussi trois invocations sur le portail de Merlin, parce qu'il me reste encore trois tickets. J'ai également trois tickets pour le RAS 2 qu'on va faire également. Et deux tickets tirage RSSR qu'on va faire également. Donc on va commencer directement donc, par celle de Diane. On va les faire comme ça dans l'ordre. Allez, j'espère que la chance soit avec nous quand même. On est parti. Alors, va-t-on avoir de la chance? Donc déjà il n'y a pas haut. On a une branche. On a une petite marque. On a un skip jaune. Oh là là là, on se prend complètement déculotté. Donc là c'est pas la peine. On peut skip directement. On sait très bien qu'on n'aura rien. Donc voilà, bon, on l'a augmenté de 20%. Mais après, bon, je sais très bien qu'il y a les Lilia bleus qui arrivent, bien évidemment, mardi. Ainsi que le Gauzer Boss, d'où le nouveau petit overlay que j'ai fait avec la petite Lilia et le Gauzer Boss dessus. Alors, on va faire les trois invocations sur le portail de Merlin. Comme ça, en plus, ça va permettre de récupérer, bah voilà, récupérer encore des petites récompenses là-haut. Alors, on a une épée. Bon, l'épée cassée. On a la demi-marque. On se fait pas totalement exploser. On a un skip jaune. On va voir de quelle couleur il tirait. Alors, tirer, tirer. Tirer doré. Oh, on se fait complètement exploser. Donc là, on peut skip. On sait qu'on a rien. Ah, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de SR. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on est reparti. On va pour le deuxième. On a le cochon. On a une branche. On a un skip rouge. Alors, on n'a pas le counter. Bon, ça sent une Elisabeth. Ou un Meliodas. Alors, de quelle couleur elle tirait? Ah! On a un SSR garanti. Avec une branche. C'est pas mal. On verra bien qui c'est qu'on obtient. On est passé. Alors, qui va-t-on bien avoir? On verra si on a une Elisabeth ou pas dans le lot. Ou un Meliodas. Mais si c'est la Elisabeth et Hawk bleu, je les drop la dernière fois. Et elle me dirait bien, comme ça je pourrais monter sa SP pour le Gauzer Boss. Et ça va être comme ça au moins très très pratique. Alors, hop, on a Jude. Là on obtient. Ah, Gauzer, ça tombe bien parce que j'ai pas fini de monter sa SP. Ensuite, Giltender. Hugo. Bon, je pense que le SSR, à mon avis, va être à la fin. Rejude. Gustave. Winnight. Ah, le SSR, et c'est... Eh bah ben voilà. Voilà, bah va pouvoir passer SP2, du coup. Donc ça fait quand même... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir la passer SP2. C'est vrai que je l'ai drop pareil. Je l'avais drop pareil, donc voilà. Elle est ici, et elle va pouvoir comme ça... passer SP2. Allez, on est reparti. On a encore le cochon. Ah, là on a une épée. On a l'épée de Lise. On n'a pas de marque. On se fait pas totalement dérouiller. Ah, je pense pas qu'on aura autant de luck que tout à l'heure. On va voir comment qu'elle tirait. Il est jaune. Ah non, là on peut skip. On se fait totalement exploser. Ouais, donc voilà. Bon, il y a deux Elisabeth dans le lot.
D'où le Hawk. Donc, on a quand même eu un SSR, donc ça fait plaisir. On a quand même récupéré la bouffe raison au sucre pour Merlin, donc ça m'en fait quand même 395. Donc il va peut-être falloir que je les utilise pour récupérer bon, tout ce qui est cosmétique. On enchaîne. Ça nous mettait quoi? Étape 4 en plus, on aurait eu un SSR 40 à voir ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la peine de réinvoquer dessus. Ah, voilà, c'était parce qu'il me restait des tickets. Allez, on est parti. Ticket race 2. Donc, bien évidemment, ils ont ajouté le Meliodas démon rouge. Démon rouge. Démon bleu, pardon. Je m'en excuse d'avance. Et bah, le reste après. Bon, les Elbram, moi, ça me botte bien. Avoir une Elisabeth avec Hawk bleu, je dis pas non. Lui évidemment donc Captain Minodas vert je ne l'ai pas. Puis j'avais pas fait de reroll moi quand j'ai commencé à jouer. Donc ça serait bien. Allez, on tente. Et bien sûr bah, le Meliodas démon bleu que j'ai pas eu la chance de drop non plus. Donc, on a Hawk. On a une épée un petit peu cassée. Bon, il n'y a pas le soleil. C'est dommage. Après on est en single, hein, donc c'est tout à fait normal. Voilà, on se prend une dérouillée. C'est soit Meliodas, soit Elisabeth et Hawk. On a un tiré jaune, donc ça sent un petit peu plus quand même le SR. Alors, oui, ça sent le SR, effectivement. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, bah, Meliodas. Un Meliodas, pas le bon, mais un Meliodas quand même. On est reparti. Revoilà le cochon. On a encore une épée cassée. On a l'épée cassée ce coup-là. Bon, on n'a pas de marque. On n'a pas de counter. On se fait pas totalement. Bah, par contre, on a perdu la marque. Bon, je pense un petit peu plus à une Elisabeth cette fois. On a tiré jaune. On se fait totalement, littéralement exploser. Je sais pas, à votre avis, est-ce que le skip rouge il. Voilà, parce que des fois on a un skip rouge, des fois on a un skip jaune. Je sais pas trop si ça fait une différence. Bon voilà, Elisabeth. Qui est déjà SP max d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le dernier. J'espère qu'on va avoir de la luck. Revoilà le cochon. Ouais, on est en ciel clair. Oh là 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 là, on n'a pas de marque. On n'a pas de counter, on va se prendre une claque. Ouais, bah là, on peut skip. Bah, revoilà, voilà, revoilà une Elisabeth. Bon, bah, c'est pas pour cette fois. On aura d'autres tickets de toute manière. Allez, les deux dernières petites invocations. Et la plus grosse invocation, bien sûr, ça sera en live. Alors, là, on a une branche. On a un skip rouge. On a la demi-marque. Ouais, on prend. Ouais, on n'a pas pris trop de déculottés. Alors, que se passe-t-il au niveau du tiré? Ah, le tiré a disparu. Ah, bah, on a un tiré à la bleue, donc. Ça sent le R. Ouais, ça sent le R. Tout à fait. Hugo. Bah, tous mes airs, moi, sont en tout cas en SP max. Allez, le petit dernier ticket. On a l'épée de Lise. On a la demi-marque. On a un skip jaune. On n'a pas de counter. On se fait pas totalement soulever. Ah, peut-être un SR. Peut-être. Ça dépendra du tiré. Ah, on a un tiré jaune. Donc ouais, ça sent un peu plus le SR. Ah, quoique non. Très très mal parti. On se fait exploser. Ouais, un R. De nouveau un R. Et c'est Simon. Bon,
On a quand même eu voilà, un SSR en plus qui va servir contre le Gauzer Boss. Donc moi, elle va être, voilà, elle va être dans mon équipe. Donc bah, je vais directement hop, la passer en SP2. Alors, ma petite Elisabeth, où es-tu? Allez, ici. Bon, j'ai déjà up 75. Hop, et elle passe du coup en SP2. Et voilà. Elle est SP2 maintenant. Donc au moins comme ça, voilà, je commence à bien me préparer vis-à-vis du Gauzer Boss. L'invocation se termine. Le prochain sera bien évidemment mardi soir en live. Et ça sera sûrement un double step-up pour la lumière bleue. Parce que je prendrai un, voilà, un pack de renforcement qui donne les 250 diams. Et je vais essayer au maximum de monter, voilà, au moins on va dire, bah, il faut 242 diams, donc 482 diams au total. Voilà, pour pouvoir faire deux step-up directement en live, mardi soir. Si c'est pas déjà fait, un abonnement avec voilà, la petite cloche pour le live des step-up, ou voilà, et même un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour le live et le step-up de Lilia Bleu. Allez, à plus les potes!